Situation difficile d'Océane. Camille ramène vers le centre. Ballon facile remis aux Héloïse qui devront en profiter. Passe en deux. La 1, sa frappe est récupérée par un plongeon de Camille. Se dit, les Héloïse poursuivent avec la pression. On vient en 4. Océane était là. On donne un ballon facile encore une fois aux Héloïse. Juliette se défend présentement. Juliette à Kayla. On ramène en deux à Juliette. Puis centrale de Juliette Gros. Et bloc au filet. On prend ce premier set. Juliette en avance par 8. Gabriel Ricard au service. Oh, et on joue de chance. Le ballon tombe sur la ligne blanche et roule du côté des Héloïse. 17-8. Gabriel Ricard répète le même service. Le résultat est le même. On prend ce premier set. Gabriel Ricard au service. Réception difficile en bagarre avec ce ballon. Ballon facile remis aux libellules. Juliette en deux à Kayla. La frappe de Kayla bien défensive. C'était le passeur Mathilde. On envoie en quatre à Rosalys. Belle frappe sur la ligne. Le plongeon de Raphaël n'y fait rien. Réception d'Océane. Passe au centre d'Emijade. La frappe d'Emijade. Oh! Une frappe savante d'Emijade Lalonde tombe près de la ligne en 5. Réception à Kayla. Jeu rapide qui est avorte quelque peu. On saisit les Héloïse contre-attaque. Rosalys. On en va au centre d'Emijade. La frappe d'Emijade. Un plus central d'Emijade Lalonde qui close les bancs lors de ce premier set. Victoire de 25-17 de Joliette face à l'école La Polyvalente des Îles. On vient avec Emijade Lalonde au service. On donne aussi le deuxième contact à Joliette qui contre-attaque. Marie-Florence Marchand, sa frappe, Christophe Filet. Eh bien, terminer sa course sur le poitrail de la libéraux, la numéro 9, Rosalie Cyr. On revient avec Emijade Lalonde au service. Belle réception au passeur. On la voit en deux. La 3, ça va être récupérée par Camille. Passe en 4 à Océane. La frappe d'Océane en défensive en ligne arrière. On ramène au centre à Raphaël. Sa frappe est récupérée par Emijade. Passe en 4 à Océane encore une fois. La frappe est bloquée, mais reste du côté de l'école Les Îles. C'est 5-2. On continue au service avec Rosalie Hébert pour la polyvalente Les Îles. Juliette à Kayla. Passe au centre à Emijade. La frappe d'Emijade. Oh, belle frappe qui allait sur la ligne en 1. Réception au passeur. On remet sur deuxième contact de réaction défensive. On amène en 4 à Océane. Ça ajuste sa frappe et bien défensive au passeur. On amène ça en 4. La 3. Défensive de Raphaël. Sauve le point. On amène en 4 à Océane. La frappe est bloquée. Belle défensive. On n'a pas été capable d'aller chercher le deuxième contact. Les Héloïse marquent un gros point. C'est 20-11. On prend ce second set. Deux points d'écart. Marie-Florence Marchand au service. Juliette sur une belle remontée. Service qui est récupéré en défensive. On remet au passeur Rosalie. Ça frappe au beau plongeon de Kayla pour sauver le point. On remet un sort en deux à Raphaël. Frappe de Raphaël. Ça lance la diagonale. Belle défensive, cela dit. On vient avec Rosalie, frappe défensive d'Océane à Kayla. On ramène au centre, à ligne arrière, Océane, sa frappe, belle défensive, encore une fois des Héloïse. On envoie à Kayla, belle frappe de Kayla Moreau, il n'y a pas eu de bloc sur ce jeu. On prend le deuxième set, 5 points d'écart entre les deux équipes, Océane Desbarrettes au service sur une belle séquence. Côté l'Océane sur son service. Raphaël Martin au service. Au service de Raphaël Martin, la réception est difficile. On donne un ballon facile aux libellules. Juliette envoie en deux à Kayla. La frappe de Kayla touche le bloc partiellement. Le point marque. Juliette passera donc en demi-finale. Alors bonjour, bienvenue à ce match de demi-finale du championnat provincial scolaire 16 ans et moins 2018. Match opposant les libellules de l'école Thérèse Martin au cuivre et or de l'école d'Iberville.
Parfaite exécution de Marie-Florence Marchand. Le ballon tombe dans la piscine. C'est 2-0. Réception d'Anne-Sophie. On attaque le deuxième contact. Belle réaction de Kayla Moreau qui marque le point dans la piscine. Surprend la défensive, c'est 4-1. Juliette à Kayla, passe à Rosalys qui doit s'ajuster. La frappe est bloquée partiellement. Juliette est là. On vient au centre. James s'ajuste sa frappe. Oh, puissante frappe, toute une défensive de Juliette. Au centre, ramène au centre à Emijade. La frappe d'Emijade, belle défensive de Clara. On vient en 4 à Julia, entre les deux bloqueuses. Au centre, est là en ligne arrière. Type de Rosalys qui marque. On change le tempo de l'échange. Ça paye. 7-5, Juliette va prendre le service. On a du beau volleyball pour commencer cette demi-finale. C'est 8-7. Réception au passeur. On envoie ce deuxième contact où ça n'était prêt. Passe au centre. Juliette récupère, mais on renvoie au centre. Passe en 4. Cette fois-ci, c'est Rosalys. La frappe de Rosalys sur la ligne. Toute une frappe de Rosalys Batalon sur la ligne en 1. C'est 9-7. Service récupération de Clara au passant. On en voit en 4. Julia Baillargeon, ça frappe touche le bloc personnel. C'est une défensive de Marie-Florence. Ça avait touché deux joueuses. Et Océane passe par-dessus le bloc et marque. Océane Bébarrette. Service flotteur, réception difficile. On met à Julia. Belle frappe. Un angle difficile. Kayla attaque le premier contact. Oh, on réussira pas à sauver ce ballon. Kayla Moreau surprend la défensive et Jane Land. Emijade l'allons au service. Réception difficile. La libéraux renvoie en 4. Clara sa frappe de manque difficile et récupérée par Océane. On envoie au centre à Marie-Florence qui doit s'ajuster sur la frappe. Belle frappe de Marie-Florence Marchand. Près de la ligne en 6. La défensive d'un bras va hors ligne. Juliette Pro au service pour les libellules. Service court, belle défensive d'Erika. On vient en 2, Clara, son attaque est bloquée. Belle défensive de Rosalys et Océane contre-attaque, mais Erika était là. Passe en ligne arrière, belle frappe de Juliette Brault, défensive d'un bras. On ne risquera pas à monter ce ballon. 24-20, point 7 de Juliette. C'est 5-1. Tout un départ pour le Courrivéor. Service court, ça en était là. Contre-attaque sur le premier, c'est le deuxième contact de Kayla qui marque, c'est 2-5. Toute une séquence au service pour Marie-Laurence Perron. Réception d'Océane à Kayla. On en voit deux à Marie-Florence. Belle frappe, la défensive ne lèvera pas. Juliette reprend le service. C'est 15-12. Au passeur. Ignès, belle frappe. Belle défensive, celle de Juliette. Et on vient, ballon bloqué. Il manquait le soutien. 16-12. Encore une fois, Juliette fait une avance de 4 points. 20-19. Kayla au service. Réception au passeur. On envoie au centre. Jane, sa frappe est bloquée. On donne le ballon, celle-ci. Au Cuvéor qui contre-attaque. Océane, plongeon pour sauver le point. On vient en centre. Emijade, sa frappe est bloquée partiellement. Mais il y avait Marie-Laurence en ligne arrière. On donne un ballon facile, c'est-à-dire à Juliette qui pousse avec la pression. Kayla passe en deux. Juliette, belle frappe de Juliette Brault. Toute une défensive. C'est Marie-Laurence Perron, le passeur, qui est en ligne arrière. Ça déstabilise la défensive lors du second contact. On prend ce second set, 22-24, Julia Tardif qui a fait son entrée au service. Elle doit être parfaite pour les deux prochains services. Rosalys, à Kayla, passe en deux à Océane. Océane, une belle frappe sur la ligne en 5. Océane, réception à Kayla qui attaque le deuxième contact. Belle réaction dans la piscine.
On vient en 4. Alice, ça frappe sur la ligne. Toute une défensive de Camille. On vient avec Emijade, l'attaque qui marque en plein centre du terrain. Camille, réception à Kayla. On envoie à Emijade. La frappe est récupérée par Noémie. Mold en 4 à Ariane. On vient au centre Emijade. La frappe d'Emijade en ligne arrière. Il n'y avait personne en 5 et Juliette en profite, c'est 7-8. Réception de Noémie, Maud Bouchard, jeu rapide à Janelle, la frappe belle défensive d'Océane à Kayla. On vient en 4 à Rosalys, la frappe de Rosalys, tout un plongeur d'Ariane pour sauver le point, on remet ça en 4 à Alice Godot, sa frappe. Camille était là. On vient jeu rapide à Kayla, la frappe bien placée de la part de Kayla Moreau-Lagacé, sa frappe en 5 qui on envoie en 2 à Gabriel. La frappe touche le bloc partiellement. La défensive en touche d'Ariane roule sur ses doigts. Rosalys. OK, là. Oh. Oui. Plus rapide qui avorte que pratiquement. On envoie à Océane. Jeu à Juliette, le type. Oh, encore une fois, une belle réaction en défensive. On sauve un autre point du côté des Rafales. Océane, la frappe défensive d'Alice Gaudreau. Et on a hésité sur ce jeu. Rosalice, Kayla, on envoie Océane. La frappe belle défensive d'Alicia Dufour. On s'en va à Maud Godin. Passe à Juliette, la frappe de Juliette. Oh, un superbe beau point de Juliette. Kayla Moreau-Lagacé au service. Ariane Amon, on s'en va au centre. Gabriel Fortin a été bloqué au centre. Encore une fois, Juliette lit bien le jeu et bloque la joueuse de centre. Camille, Rosalys, on donnera un ballon facile. Noémie, Amon Bouchard, on s'en va en 2. Gabriel Fortin, plus central, belle réaction. Confrontation au filet, oh! Et on y aura Alice Gaudreau, une frappe. C'est Rosalys qui était là. Océane, sa frappe. Belle frappe d'Océane. En 1, le point marque. Tout un jeu de la défensive de Juliette. Camille Rondeau. On s'en va au centre à Océane. La frappe d'Océane. Oh, belle frappe à gauche du bloc. Un point sans équivoque. 5-11. Maud Bouchard au service pour les Rafales. Océane, à Kayla, on s'en va en 4. Marie-Florence, le ballon est bloqué partiellement. Il n'y aura pas de miracle sur cet échange. La pancake de Gabriel Fortin ne lève pas assez. Impossible pour Alice de poursuivre l'échange. Réception de Gabriel, difficile. On donne à Alice Gaudreau dans la piscine. Océane était là. On s'en va en 2. Kayla frappe sur la ligne. Gabriel était bien placé. On donne un ballon facile à Juliette, Marie-Florence, à Camille. On s'en va à Emijade. C'est Gabriel qui était là. On s'en va en 4 à Alicia Dufour. Ça frappe par-dessus le bloc, mais c'est Rosalys qui était bien placé cette fois-ci. La puissante frappe est bloquée. L'échange est poursuivi. On donne un placement sur la ligne. Oh, d'un bras, Maud Bouchard sauve le point. On donne un ballon facile au libellule. Océane, à Camille, à Kayla. La frappe au centre qui marque. Il n'y avait personne en 6. Juliette, Kayla passe au centre à Emijade, la frappe d'Emijade, la défensive de Noémie Asselin, on s'en va en 4. On envoie Kayla à Emijade, à Rosalys, le type de Rosalys dans la piscine qui marque. Réception difficile. Gabriel envoie à Noémie Asselin. La frappe dans la piscine. Belle réaction de Camille. On s'en va à Juliette. La frappe de Juliette qui tombe sur la ligne. Belle frappe de Juliette Gros. Marque le point. Océane. À Kayla, on renvoie Océane au centre. La frappe est bloquée. Le ballon est envoyé. Confrontant sur filet. Kayla était bien placée. Emijade contre-attaque immédiatement. On ramène en 4. Noémie Asselin, sa frappe est bloquée partiellement. Kayla était là. Et attaque immédiatement sur le premier contact. Encore une fois, on joue du ping-pong. Cette fois-ci au filet. C'est Gabriel Fortin. Son type est bloqué par Océane. Et le point marque.
ce deuxième set. Les rafales ont le dos dans les câbles. 23-24. Noémie Asselin au service. Camille à Kayla passe en deux. Alcéane. Alfred Océane est bloqué. Mais le ballon reste côté des rafales. Joliette est championne provinciale scolaire 2018. 16 ans et moins. La numéro 3, Rose Alice Batalon. Pas de ballon, les minutes! Juliette, à Kayla, passe en deux à Rosalys. La frappe de Rosalys sur la ligne. Défensive d'un bras qui touche, qui va hors ligne. Belle frappe de Rosalys Batalon. La numéro 4, Gabrielle Ricard. Avec Océane. On vient avec Alice. Attaque sur le deuxième contact qui est bien récupéré en défensive. On amène au centre. Et le bloc de Gabrielle Ricard, majestueuse au filet. C'est 24. La numéro 7, Kayla Lagacé-Moreau. Réception difficile en bagarre avec ce ballon. On remet en touche du côté de Juliette. Passe en deux à Kayla. La femme de Kayla touche la bagarre. C'est bien marqué sur la ligne en 5. La numéro 10, Juliette Brault. On vient avec Kim Jade Lalonde au service. Superbe service. Défensif difficile. Juliette Brault gobe un offrande au filet et marque. La numéro 11, Imijade Lalonde. Service touche la bande blanche. Belle réaction d'Alice Gaudreau en ligne arrière. Noémie Asselin s'en fait récupérer par Camille. On s'en va à 4 à Océane. La frappe d'Océane est bloquée partiellement. On sauve le point. Ballon facile remis au libellus, cela dit. Camille Rondeau. Kayla, la frappe d'Emijade qui marque au centre. C'est 4-5. La numéro 12, Camille Houle. Belle réception au passant, on en va au centre. Inès, sa frappe touche le bloc. Toute une réaction d'un bras de Camille Houle pour sauver le point. On donne un ballon facile, cela dit, au cuivre et or qui poursuit avec la pression. Clara, sa frappe est envoyée hors ligne. Tout un jeu de Camille Houle. C'est la défensive qui vient de marquer un gros point. La numéro 13, Raphaël Martin. De libéraux, Rosalie Cyr, type qui a récupéré sur un plongeon de rappel. Contre-attaque de Kayla qui est belle défensive. On ramène au centre. Le type Kayla était là. Océane attaque, c'est le deuxième contact. Belle réaction de sa part. C'est point de match de Juliette. Quel revirement de situation. La numéro 16, Marie-Florence Marchand. Marie-Florence, réception. Ah, on vient au centre. Type. Oh! Marie-Florence Marchand, un type en 4. Il n'y avait personne là. La numéro 18, Océane B. Barrette.
les Héloïse de la polyvalente des îles face aux libellules de l'école Thérèse Martin. On commence le premier set sur une superbe attaque d'Océane Desbarrettes. Belle passe de Kayla Moreau sur ce jeu. L'entraîneur adjoint, Madame Caroline Fizet. Sous les ordres de l'entraîneur-chef, Monsieur Benoît Coulon. Félicitations à toute l'équipe de l'école secondaire Thérèse Martin. Oh, oui, numéro 1, numéro 1. Ah, je parle de numéro 1.